déjà vu, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'erreurs qu'on commettait dans l'utilisation des produits magiques. On a vu le processus, on va dire, résumé de fabrication. Donc, c'est un bon atelier. La magie est déjà composée en grande majorité de sel. Donc quand on a deux tablettes pour un repas de 6 personnes, on n'ajoute pas de sel parce qu'il y a déjà du sel dans le magie. Nous avons décidé de communiquer avec nos populations, nos consommateurs, afin de rétablir un certain nombre de vérités concernant les bouillons magie. On entend beaucoup de choses à l'extérieur qui ne sont pas justes. Donc, il était important pour nous de venir rencontrer surtout les professionnels de la santé qui sont les premiers contacts avec les populations pour leur passer les différents messages concernant les produits magiques. Dans la fabrication de nos produits, nous avons à cœur d'améliorer le profil nutritionnel de ces produits-là. Cela passe par deux points. Premier élément, c'est la fortification des bouillons magiques. On a du fer dans Magie Tablette, on a du fer dans Magie Crevette, on a du fer dans le petit cube magie qui nous sert à manger le garba. Le second volet de cet engagement qui est d'améliorer le profil nutritionnel de nos produits, c'est la réduction du taux de sel dans nos bouillons. Au sorti de cet atelier, on retient beaucoup de choses. D'abord, dans un premier temps, c'est que le cube magie, ici, se présente comme étant un élément nutritif. C'est vrai qu'il contient le sel, comme le disent beaucoup de personnes, mais qu'il contient aussi le fer, qui est un élément très important. Il contient aussi l'iode, et d'après les recommandations de l'OMS, l'iode est un élément très important parce qu'il permet d'éviter certaines maladies comme le goitre et puis l'hypothyroïdie, les troubles de fertilité chez les femmes. Voilà. Mais on retient aussi que le taux de sel que nous observons dans le cube magie est quand même une dose qui est minime. Certes, il y a du sel, mais le dosage est un peu faible pour pouvoir produire, entraîner certaines maladies, comme on le dit la population générale. Pour certaines personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle ou bien du diabète ou d'autres maladies de ce genre, il faut toujours se fier aux recommandations de son médecin. Mais ce qui ressort, c'est que le cube magie n'est pas responsable de l'hypertension artérielle. Mon avis concernant les bouillons magie a complètement changé. Parce que contrairement à ce qu'on a pour habitude d'entendre dehors, là maintenant je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. On a vu comment est-ce qu'on fabrique les bouillons, qu'est-ce qu'ils contiennent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Ils ne contiennent pas de formol et ne sont pas directement reliés à la survenue de certaines maladies, comme on le dit, l'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires liées à la consommation du sel.